Donc on joue avec Moussa qui a une certaine obédience pour le pognon, qui génère énormément d'or. Donc plutôt pratique pour acheter des unités, même si en soi ça a un intérêt seulement mid game quoi, vraiment. Mais c'est vrai que quand on va commencer à faire des villes un peu lointaines et qu'il faudra les développer, ce sera plutôt cool. J'ai joué au 3 en LAN multi avec des potes il y a 17 ans. Moi je joue à Civ depuis Call to Power. Depuis que je suis gosse en fait. Mais ouais, combien d'heures en multi on a passé là-dessus? Bah d'ailleurs on a fait une game avec le cholestérol là il y a pas longtemps sur le 6. Incroyable. Quel plaisir, quel jeu incroyable. Même si je vous avoue que j'ai beaucoup d'attentes sur Humankind, là, le nouveau de chez Amplitude, qui est un Civ-like et qui sort en août. J'ai vraiment très très hâte de le tester parce que je pense qu'il peut un peu dépoussiérer le genre. Qui commence un peu à tourner en rond, c'est vrai. Même si le Civ 6 a introduit quand même énormément de mécaniques très stylées. Mais par ses DLC, jamais par le Vanilla, comme d'hab. Hein. On se retrouve toujours dans cette situation où tu dois acheter le jeu Vanilla qui en fait est un tiers de jeu. C'est chiant. C'est vraiment relou. Mais là, c'est vrai qu'avec les deux extensions, avec Rise and Fall et Gathering Storm, il commence à avoir de la gueule. Il commence à être vraiment cool. Donc voilà, donc Mansa qui est un quartier exclusif, le Suguba, je crois, qui remplace la plateforme commerciale, donc qui permet de générer moult pognon avec des bonus de proximité. Peut-être augmenter un peu le son du jeu. Hein. Bon, d'ailleurs, j'ai mis le stream en 900p. Je sais pas si c'est dans mon retour en fait que c'est faible. Ah, c'est peut-être dans mon retour que c'est faible en fait. Bon, je me dirais si c'est trop fort, hein, c'est pas grave. Vous connaissez la doctrine ici. Ok. Donc ouais, moult pognon. Et là, vous voyez, on fait déjà 100 d'or par tour alors qu'on est qu'au tour 92, ce qui est assez scandaleux. Et on avait des villes qui produisaient vraiment pas mal, quoi. Heureusement, c'était pas le cas du dernier Pokémon. J'ai pas trop suivi le dernier Pokémon, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu une blague. Genre c'était un copy-calque du jeu d'avant. J'avais vu des trucs là-dessus, mais bref. Donc on venait de fonder cette ville juste ici, on a un espèce de territoire exclusif ici où on aura la paix, je pense que personne viendra nous faire chier ici avant que la géorgienne fasse le tour, mais ça m'étonnerait beaucoup. Par contre du coup je suis bloqué, je peux plus faire de ville ici alors que je voulais, et la géorgienne va me saouler. Hein. Ça c'est certifié disquette, hein. La géorgienne elle va me casser les couilles. Mais j'avais déjà mis, ouais voilà, des bateaux en mer. Bonjour à tous, salut Aslev, comment ça va? Il y a eu deux DLC, ah oui d'accord, ok. Deux DLC, mais parce que le jeu de base n'était pas fini, ou parce qu'à la limite des DLC, ça peut, c'est pas forcément grave, hein, je suis pas forcément contre le principe du DLC. Juste que bon, voilà quoi. Ça roule et toi? Bah ça va, tranquille. Tranquilo. Bon, je vais les laisser en fortification ici. Hein. Sans l'état, ils me servent à que dalle. Est-ce que j'irais pas convertir Bandar Brunei? Le Pokédex, c'était pas complet. Ah, c'est propre ça? Ah, putain. Ah ouais, c'est sympa ça. Ah, y'a de l'idée, hein. Y'a de l'idée. Sinon, bon scénar. D'accord, ok. Moi, je t'avoue que moi, Pokémon, j'ai lâché il y a une paire d'années quand même. Hein. J'ai vraiment lâché il y a un moment, donc... Je sais pas du tout ce que valent les dernières versions. Même si j'ai eu des échos relativement favorables... De... Je sais plus c'était laquelle. Pas la dernière, celle d'avant, il me semble. La première sur Switch, là. Ou la deuxième, je sais plus. Non mais alors voilà, donc là on va commencer à avoir le problème. Pareil en spec depuis la 3G. Terrible. Qui a fait quoi? Oh, le Templo Mayor, ouais, c'est rendre la branlette le Templo Mayor. C'est vraiment se prendre la tête pour rien le Templo Mayor. Jamais l'anniversaire d'une femme, mais ne se rappelle jamais son âge. J'aime bien les petites citations de Sylvain, c'est assez marrant je trouve, c'est plutôt bien senti. Alors là, je suppose que oui, voilà, ça fait un croissant en fait. Hein. C'est un continent en croissant, mais je vais aller explorer un peu le reste. Et là, il faut que je gratte vraiment absolument des points. Ah, mais je vais avoir la République Maritime, Sunte. Ah, mais je l'ai déjà. Ah non, je l'ai déjà, donc je gagnerai pas des points avec ça. Je pourrais pas refaire cette arnaque de forain là. Remarquez, on doit être au début de l'ère là, non? Je crois que j'avais arrêté. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai le temps, hein, j'ai le temps de. Complètement le temps de faire mes points là. Ah, il faut que la French Tech progresse. Hein. Je vais faire une scierie pour qu'elle pousse un peu la ville. Et on verrait une ferme ici, je pense. Personnage illustre. Ah, j'ai un ingé. Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce qu'évidemment, je les prends toujours sans regarder ce qu'ils font, parce que je suis un connard.
Oh, c'est vraiment de la merde, j'aurais dû garder mes points. Ah, c'est nul. Bon, bah, ouais, vas-y. Qu'est-ce que je te dis? On va protéger la capitale dans le doute, mais. Ah, c'est nul. Ah, mais il a plusieurs charges, donc ce qui est plutôt cool. Bon, là, j'ai de quoi faire deux villes easy. Une ici, une là. Poète, 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 poète. La BO de. Du Mali est vraiment génial. Vraiment très très chouette. Je vais aller faire des remparts ici parce que. Ouais, enfin, remarque, l'écossais, il devrait pas trop me faire chier. Il est assez pacifiste normalement, mais. On est jamais à l'abri d'un coup de Trafalgar. Ah oui, voilà, c'est ça. Faudra que je sorte la cité interdite. Et là, j'ai le Taj Mahal qui est en cours. Alors, le Taj Mahal, c'est une excellente merveille parce qu'elle double les points d'air dès lors qu'une action en vaut déjà 2. Par exemple, vous faites une merveille, c'est 3 points, en fait, ça vous en donne 6, je crois. Je sais plus si c'est plus 2 points ou si c'est... Non, c'est score d'air plus 1. Bon. Chaque merveille construite, etc. Mais ça rapporte c'est game breaker. Hein. C'est totalement claqué comme truc. Grenier, ça c'est sûr. Je vais refouter un coup à Mondar Brunei, mais c'est toujours compliqué à convertir les cités-états, surtout que j'ai... Putain, mais la géorgienne, elle envoie du monde jusqu'ici. Et en vrai, la géorgienne, elle me saoule un peu... Faut que je fasse avec, j'ai pas trop le choix, mais elle va me cloisonner, ça me saoule un peu, mais bon. Alors j'avais mis des positions chez qui là? Vilnius. Vilnius c'est moi le souverain. De toute façon ils sont tous positionnés, donc je pense que je vais continuer à mettre mes points là-dedans, et puis je vais augmenter. Je vais essayer de lui piquer la Venta, juste pour l'emmerder quoi. Juste pour le principe de la faire chier. Parce que c'est un plaisir immense de faire chier les IA. Hein. Ok. Bah lui, ouais, de toute façon, j'ai pas d'emplacement de chef-d'œuvre, donc pour l'instant... Ah, mais j'ai un musée d'art qui est en train de sortir, là, non? Ouais, j'ai un musée d'art, donc je vais peut-être... Ah, mais j'en ai déjà un, oh là là. C'est un scandale, hein. C'est une honte. Ok. Ouais, ça devrait le faire. Moi, j'y crois. J'y crois à mort. Ok. Ayant pu observer une... Bon là je devrais réussir à trouver un autre continent. On est un peu à l'étroit sur celui-ci mine de rien. Mais je sais pas si je pourrais vraiment faire mon arnaque de forain habituel de faire une espèce de nation ultramarine là. Parce que d'un autre côté pour la victoire culturelle c'est pas forcément un bon bail. Parce qu'il faut du coup plus il y a de villes plus il faut de tourisme pour remporter. Sachant que là je sais pas où j'en suis. Bon au score je suis premier et je les défonce mais... Putain Tamar elle est deuxième quand même hein. Bon, victoire culturelle, je suis en tête. Je fais 73 par tour, c'est pas dingo non plus. Hein. Victoire scientifique, je suis à la bourre, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Je pense que je vais essayer de tabler sur la victoire culturelle. Ça me paraît être un bon deal. Et militaire, au final, je suis pas aux fraises, hein, vu toutes les unités que j'ai dû acheter. En général, c'est pas le bail que je préconise, mais là... je vais faire une place du théâtre. À moins que j'ai une merveille à sortir ici. Non, bah non, la Cata de Contratación, ça se fait en centre-ville. Enfin, ça se fait là où il y a le... Pas la chancellerie, mais je sais plus comment ça s'appelle. Le quartier, la... La place de la gouvernance. Voilà. Ok, alors j'ai le choix entre complexe de loisirs. Il manque un peu d'activité. C'est vrai que je pourrais faire un complexe de loisirs. Hein. Et peut-être que ça peut me permettre de sortir le Colisée, d'ailleurs. Je suis en train de me dire ça. Ah mais du coup je crois qu'il faut le faire sur un terrain plat alcoolisé, donc tous les cas je suis baisé. Je suis U. Il a 3 charges le man. Ah il est vénère hein. Ah le colosse. Putain mais c'est vrai que personne n'a fait le colosse et que je suis vraiment en train de le sortir quoi. C'est ridicule. Sortir le colosse à presque tour 100 c'est ridicule. Remarquez, il y a plein de games où ça m'arrive de sortir le colosse en ère moderne, quoi. Mais autant capitaliser parce que le colosse fait énormément de pognon, donc c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, la broute commerciale, ça donne quoi? Non, ça va, j'ai ce qu'il faut. Ah, il faut que je sorte la cité interdite. Ok. 18 tours ici, et là, elle prendra combien de tours? Ça va faire ma ville à merveille, hein, je crois. Ah, 14, hein, c'est pas si worse que ça, hein. Bah je vais peut-être la faire là, hein. Elle a l'air de produire bien vénère cette ville quand même. C'est un truc de quoi ça? Je sais même plus. Tête colossale. Ah c'est un aménagement à la con.
Ouais, c'est pas grave. Je peux le tège et je peux racheter un. Non, c'est pas toi que je veux, c'est l'ingé. Toi, tu m'intéresses pas. Bon, je vais faire le. La cité interdite ici et je vais essayer de faire des trucs qui font un peu de prod. Mais pour ça, il faut que j'achète un sbire. Oh, mais il y a déjà trop de monde. Vas-y, casse-toi là. Putain, mais j'ai tellement de pognon, c'est un scandale. J'ai beaucoup trop de fric, c'est scandaleux. Pète, 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 pète. Ok. Bah, en vrai, tu vas aller ici, hein, je pense. Et je vais racheter un négociant à Gao. Je sais pas si j'en ai déjà un, mais dans le doute, histoire qu'elle pousse un peu la ville, parce que. Ah, mais oui, mais j'avais plus le. Ah, ouais, il y a ça aussi. Dididididi. Dididididi. Là, je vais avoir un de fer, mais j'en ai déjà du fer, remarquez, j'en ai là déjà. Ah, mais j'en ai là aussi, mais faut que je l'exploite, ça! Quel con! Quel con! Entre les nouvelles opinions. Ça, c'est le meilleur moyen. Quoique les mines font un de prod en moins avec Mansa. C'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais oh, putain, mais je peux en faire partout en fait. En réalité, c'est un peu moins avantageux de faire des mines avec lui, mais. C'est pas si grave. Ok, bon, lui, il aurait été bien investi, je pense. Ah, le grand Zimbabwe, faut le sortir. Hein. Merveille incroyable, mais faut vraiment réussir à le sortir, c'est Tandax. Hein. Par contre, là, je vais passer en ère industrielle sur les dogmes. Ah, j'ai perdu le truc plus 1 de production. Non, mais ça, c'est pareil, ça, je peux le virer, ça sert plus à rien. Quoique, attendez. C'est une merveille de quelle ère, cité interdite et Taj Mahal? Si, c'est Renaissance, ça. Attendez, on a quoi d'autre cité interdite. Si, c'est des trucs de la Renaissance, ça, il me semble. Pouette, pouette, pouette. Ouais, si, faut que je le laisse. En réalité, faut que je le laisse. Alors, il faudrait que je prenne des bonus de proximité, mais je ne sais pas trop pourquoi. Je vais prendre ça pour. Est-ce que j'ai déjà esthétique? Oui, je vais prendre les bonus de proximité en culture, je pense. Histoire de vraiment bourrer la victoire culturelle. Parce qu'en réalité, la militaire, je suis déjà complètement aux fraises. Et puis elle est juste tellement chiante, la militaire, à faire. Il y a tous ces trucs-là aussi. Hein. Ça, je m'en sers pas assez, mais c'est une dinguerie. Et il va falloir que je commence à sortir des plateformes industrielles aussi. Bah tu vas attendre toi. Ah oui d'accord ok, non, mais j'ai fait son objectif mais je m'en fous en fait. Fondamentalement je m'en fous un peu de ta life mais d'accord. C'est qui ça? C'est le Canada? Ah putain c'est vrai qu'il y a le Canadien. J'avais oublié qu'il y avait le Canadien. Sinon je fais un prank à la géorgienne et je fais une ville là. Le truc absolument ingérable, juste pour faire chier. Mais quel plaisir. Non, alors voilà, là, maintenant que j'ai des œuvres d'art, ils vont tous forcer pour les prendre, pour essayer de me les acheter, ça me trigger. Et pas un ASMR, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je me comprends, quoi. Putain, c'est là qu'on voit que c'est à la traîne, quand même, les éclaireurs par rapport au. Quadrierme. Quadrirem. Un jour, j'arriverai à me prononcer ce mot correctement. Ah, terre! Ok, donc le Canadien il est là. Ah mais c'est vraiment un tout petit continent en fait, hein. Il est pas bien grand le truc, hein. Ouais, je sais que j'ai pas assez d'habitation et tout, mais de toute façon c'est pas toi qui décides. Et là je vais faire ça, hop. Ah non, alors par contre on va arrêter ça tout de suite, hein. Faut que je rachète des missionnaires parce qu'elle va me saouler avec ses apôtres. Ça va me gonfler, hein, je vous le dis.
Pouet, 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 pouet. Elle force, hein. Elle va forcer de ouf, hein. J'ai combien en foi? Ouais, c'est... Avez-vous déjà construit un château? C'est bien. Le Taj Mahal? Ah, je peux faire la Casa de Cantadacion. Alors, elle est bien, mais il faut vraiment faire un truc... Ouais, non, je pense que je vais continuer sur la culture. Je vais bourrer là-dessus. Peut faire une agence de renseignement aussi, ça c'est très très bien. Attendez, qu'est-ce qui est en famine là? Ah merde. Bah écoute... Ah non, mais oui, il fallait juste une route commerciale. Fada! Prendre un bâtisseur ici, hein. Oui, moulin à eau, oui. Ah, Anshan. Donc il y a un continent là. Je suppose qu'en fait c'est deux énormes continents. On va aller l'explorer, hein. Coûte pas grand-chose. Moi je fais beaucoup de routes commerciales internes. Je suis ce genre de mec. Je suis ce genre de master pranker. Fondamentalement, ça sert pas à grand chose, mais je le fais quand même. Enfin, je m'en comprends, quoi. Qui a fait quoi? Ouais, le temple de Mahabodhi, je m'en fous aussi. Ça, c'est des merveilles religieuses et je fais pas la victoire religieuse. Je les active par défaut parce que ça me gonfle. En général, ça me gonfle très très fort. D'ailleurs, faut que j'achète des missionnaires. Ah, c'est une île là. Intéressant ça. C'est intéressant ça. Je peux pas faire une ferme quelque part? Ah non, parce que j'ai pas encore le truc pour faire des fermes sur les collines, ma vie est dégueulasse. Ah mais c'est tard ça en plus. Ma vie est pourrie. Bon, ça convertit pas mes villes, je sais pas ce qu'elle a l'air de faire que passer, mais dans le doute... J'ai pas de temple ici non plus d'ailleurs. Ça c'est un problème. Peut-être même pas de lieu saint. Je sais plus si j'ai sorti Stonehenge ou pas. Je me rappelle plus, hein. La game était il y a 2 semaines quand même, donc... un peu lointain. Ah, j'ai pas de lieu saint. Ah non, c'est pas ma capitale. Si j'ai un lieu saint, j'ai juste pas de temple. Bah attendez, je peux pas l'acheter? Putain, c'est beau un monde qui joue. Voilà, comme ça je vais pouvoir propager ma religion là, enfin la développer un peu plus. Maman? Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Faut vraiment que je unbind ces touches de mort. Hein. Faut vraiment que je vire ces raccourcis sur les touches F1. Maman, faut qu'on parle. Maman? Faut qu'on parle! Et du coup, il peut faire ses merdes là, lui? Mais attendez, dans le musée d'art, il n'y a pas un emplacement de chez... J'ai fait quoi? Quel cauchemar! Ah, c'est relou. Ok, bon, c'est pas grave. Mais j'en avais pas un deuxième d'artiste, tiens. Non, mais c'est des écrivains, donc dans tous les cas, je suis baisé. Je vais faire du fric. Je pense que je vais dédier l'intégralité de ma vie à faire du fric. Ça me paraît être un bon deal. 13 tours pour sortir de la cité interdite, c'est pas une honte, hein. C'est tout à fait correct. Cette ville produit bien, je suis content. Oh là là, ça me plaît pas du tout par contre. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Ah, si tu vas voir l'Écossais, je m'en fous, mais alors viens pas me faire chier chez moi, hein. Chemin, je les garderai. Et avec eux, je construirai mon château. Ah, il y a une petite île là. Il y a un bout d'île là, je pense. J'ai l'impression que c'est deux îles, hein. Ou alors c'est l'autre. Ouais, mais ça m'étonnerait que ce soit pas le continent ici. Ah, attendez, j'ai vu un truc qui me plaît pas là. Ah, il y a un connard là. Ouais. Assiste à une connard. Prendre un apôtre, on va développer la foi. Hein. On va développer ma religion, la French Tech, c'est important. Palais de Potala. Oh, je peux la sortir celle-là, bah oui. Ah mais faut que je fasse attention, je la mette parce que là j'ai un potentiel incroyable de faire des parcs nationaux avec le nombre de montagnes que j'ai. Ouais. Ça, quel plaisir. C'est quoi ça? Ah, c'est un missionnaire? Oui. Pener Incoming.
Ah non, mais je vais les punir là. Mourdze niaiseux, mais. Ah, il est en autocratie le Québécois. D'accord. Enfin, le Canadien qui fait quoi là? Chichen Itza, ça va. Naturalist Intensify. Ah, il faut. Mais c'est en late game. Mais ça fait gagner énormément de points d'air. Ah, si, ça convertit mes villes. Est-ce qu'on lui déclarerait pas une petite guerre? Non, casse-toi, vieille dinde là. Parce qu'elle me fait chier là en fait. Victoire militaire, début du vote. Alors, le coût de production des unités militaires est doublé. Ouais, ils sont tous chauds pour qu'on se bataille, donc... Non, je vais mettre en or, je suis con. Je sais plus quelle... Je sais plus quelle ressource de luxe j'ai ou pas, donc je vais mettre un truc à la con, genre... Perle, voilà. J'aurais dû garder mes points, en réalité, c'était pas très avisé de ma part. Mercure et Production. Attendez, elle est où l'autre dinde, là? Ouais, c'est kiff-kiff quand même. Hein. Je vais pas trop faire le Kekos non plus parce que... J'ai pas une puissance militaire monstrueuse par rapport à elle. Oh, le petit bout d'île de merde, quoi. C'est qui, ça? Oh non, c'est le Zoulou. Oh, le Zoulou, il est relou. Hein. Le Zoulou, il est lourdingue. Mais il est pas chez moi, donc il va pas essayer de me conquérir, c'est une bonne chose. Ça me va. Très bien. Et toi, tu vas arrêter de convertir mes villes. Voilà, donc ça, c'était sûr. Ça le raclure, je vais la dénoncer, du coup. Hop! Ça, s'il y a besoin de déclarer une petite guerre, on pourra déclarer une petite guerre. Bon, toi, tu vas prêcher une croyance. Et au pire, si vraiment me casse les couilles, je lance une inquisition, ça va plus déconner, je vous le dis, moi. Ça, c'est bien, ça. Ça limite les embrouilles, en général. Oh, il peut y aller en un tour. Ah, c'est bien. Propage la French Tech. Il va se faire aggro par tout le monde, mais c'est pas grave. Full mine, hein. Ouais, j'aime pas du tout. Ah oui, surtout qu'ils sont déjà fait bastonner, donc on va les laisser en stand-by, c'est bien. Bon, bah, on va prendre le large, hein, je pense. Hein. Je vais sortir la grand voile. Tiens, toi, tu restes en stand-by, c'est bien. Ah, il me casse les couilles, mais un... Je pense que je vais commencer à rapatrier mes unités dans ce coin-là. Hein. Je sais pas pourquoi, étrangement, je sens qu'elle va essayer de me faire un coup de Trafalgar, cette saleté. Je peux améliorer mes unités, là? Non, ça s'améliore pas, ça. Quel dommage. Bon, après, j'ai de l'argent. Je peux en acheter. Les hommes d'armes. Ah, mais tain, c'est la nouvelle unité de l'update, là. Ah, c'est bien, ça. J'ai des cavaliers. Cavaliero. Je vais améliorer ce cavalier-là. Et puis, j'en ai pas un deuxième, quelque part, là, qui traînait? Pas du tout. Pas du tout, j'ai fumé la moquette. Ah, j'ai un spadas ici. Ah, je vais rapatrier le spadas, hein. C'est bien. C'est vrai que j'ai cortex les pyramides, j'avais oublié. Elle a quel range, cette ville-là, d'ailleurs? Ouais, bah elle a ça, bah pour pousser, il faut que j'aille faire une ferme ici. C'était pas un mauvais spot, hein. J'étais un peu méprisant au début, mais en réalité, c'était un très bon spot. Ah oui! Ah, ça, c'est les joies des îles isolées. Bien isolées. C'est que tu retrouves des... Tu retrouves des villages tribaux. Et en vrai, c'est très bien parce que quand t'arrives sur du mid ou du late game, ça te permet d'obtenir des bonus de malades mentaux, quoi. Genre des Eureka pour des techs complètement claqués. Ce qui est ridicule, hein. C'est sûr que quand un village tribal te donne une Eureka pour... pour l'IA ou pour la robotique, c'est un peu drôle. Faut être honnête, c'est quand même un peu drôle, quoi. Ok.
Ah, je peux faire le Colisée donc. Bah c'est parti. Alors, je vais aller faire la faire chier à la Venta. Hop. C'est chez moi ici. J'aime pas trop son cavalier rose là. Hein. Celui-là, je l'aime pas trop. Une petite sensation de merde là, comme ça. Petite odeur de merde là. Mais c'est bien, casse-toi. Ah, elle vient me chercher jusque-là. Hein. Mais normalement, avec mes unités militaires, je peux la déclarer hérétique. Eh, mais elle a fait le tour. Hein. Je vais la défoncer. J'ai juste lui défoncé sa daronne. Bon, dans ces cas-là, moi, en général, je me fais pas chier. Si un objet peut être... Je prends le taureau par les cornes et je lance une inquisition, comme ça, ça dégage. Pop plus un, voilà, truc complètement débile de ce genre-là. Moi, ça me va, hein. Ah, y a encore des coins visiblement exploitables dans ce coin-là. Pas trop mal. Non, pas sans me battre, hein. Insupportables avec les missionnaires. Et puis ils forcent, hein, ils forcent de ouf. Poudre à canon, ça veut dire que je peux commencer à sortir des mousquetaires, elle fera plus la kékos là. Hein. On va commencer à rigoler un peu là. À deux tours, c'est dommage. Ouais, en réalité, je pense que je vais aller le déclarer hérétique lui, parce qu'il va me saouler sinon. Puis je vais les améliorer en homme d'armes là, voilà, c'est très bien ça. Poète. Ouais. 130 d'or par tour, c'est vraiment ridicule. Hein. Petite place du théâtre, parce que là, l'or, je ne manque pas. Hein. Prends une case de... Oh la vacherie, toi! Il y aurait la possibilité d'une ville dans ce coin-là, mais... Temps d'axe, hein. Showtime. Quoi, je peux peut-être en faire une là, hein. Elle serait pas si mal lotie, hein. Geyser, mouton. Mais j'ai pas chopé le mercure, par contre, ça c'est dommage. En réalité, une ville ici, ce serait pas trop mal non plus, hein. Alors, c'est qui, c'est quoi? Encore un écrivain, mais j'ai pas de place pour les écrivains. Terrible. Ah, nouveau continent, ouais, bon, c'est bien, ça gratte des points, donc on devrait se taper au moins une ère normale. Poète. Ah bah la banque, hein. Toujours plus d'argent. Jamais assez de pognon, hein. Vraiment trop bien ce thème, hein. Incroyable. Ah, je peux pas. Ah, il faut que ce soit en guerre. Ok. Non, mais d'accord, c'est bon, vous énervez pas. Non, par contre, ma capitale qui perd du panache, là, de la religion, ça ne me sied guère. Alors, je pense que je vais lancer une inquisition. Je pense qu'on va faire une petite inquisition du plaisir, là. Juste pour lui casser un peu les couilles. Tu voyais ce que je veux dire. Juste pour le plaisir de lui casser les couilles. On va déjà, voilà, on va déjà faire ça. Puis on va lancer une petite inquisition derrière. Alors les inquisiteurs sont très très vénères contre les unités religieuses. Et ils ont la possibilité de supprimer les hérétiques. Ce qui a énormément de puissance. Pour éviter de se faire bolosser. Ah la Didon. Alors elle est où? Ouais ça elle est loin. Faut se méfier de Didon parce que... Elle fait de l'ultramarin très vite. Il y a de la place ici, je pourrais aller faire... Ouais, enfin, qu'aucune ville à côté du Zoulou, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si je veux la voir, c'est pas une bonne idée, quoi. Inquisition. En plus, ça fait des points d'air, c'est bien. Ah oui, j'ai un espion, ça y est. Eh ben, je vais envoyer un espion... Eh ben, je vais envoyer un espion chez elle, hein. Je vais lui péter son barrage. Je vais lui péter le barrage. Non, mais ne s'inquiétez pas, je vais l'inviter à boire un verre avant. Pardon. Alors, encore... Ah non, c'est un artiste illustre ce coup-ci, donc c'est ok. Tiens, normalement, j'ai un emplacement de chef-d'œuvre, voilà. Mais c'est pareil, elle est sous-développée, c'est une honte.
Faut des bâtisseurs là. Oh, tellement de merveilles. Le théâtre Bolchoï, c'est une dingue, hein. J'ai encore un emplacement pour... Oui, bah, je vais reprendre un négociant, tiens. Théâtre du Bolchoï, c'est cool, hein. C'est vraiment très très cool. Maintenant, 21 tours, faut la chier, quoi. Peut-être faire un atelier d'abord. Ou alors j'achète l'atelier. J'ai envie de vous dire que j'en ai pas grand-chose à foutre, hein. Ouais, voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, puis avec la route commerciale en plus, on va gratter quelques points de prod, c'est bien. Ouais, c'est ça, casse-toi. Plus on entend parler de ça. Alors, la Venta, c'est à moi. Souverain aucun. Alors, Enchant, c'est visiblement inchoppable parce qu'il y a... D'ailleurs, elle a... Son portrait change d'une cible à l'autre, c'est marrant. Je pense que je vais aller lui piquer... je vais aller prendre Rapanui. Ou alors celle-là, hein. Elle n'a que 4 mecs dedans, hein. Et moi, j'en fais 2 par séquence, donc... Ah oui, alors, attendez. Ah, j'ai toujours pas Amani. Ah, j'ai toujours pas Amani, c'est un problème, ça. Faudrait peut-être s'occuper de ça. Peut-être nommer Amani quelque part. Bah, je pense dans cette ville-là, en réalité, hein. Histoire de faire pression, je pense que je vais faire ça. Bon, en même temps, là, ma pression, elle va pas être dingo. C'est plus tard que ça va commencer à devenir intéressant. Pour l'instant, je vais la mettre là. Voilà, c'est bien. On la redéplacera au besoin si jamais j'ai envie de faire un peu chier l'autre con, quoi. C'est vrai que j'ai... Vous voyez, j'ai les réflexes quand je joue Aliénor, mais en réalité, ils servent à rien, là. Parce qu'avec Aliénor, les chefs-d'œuvre permettent de faire perdre de la loyauté aux villes des alentours, et c'est vrai qu'Amani, à ce moment-là, elle est très intéressante, parce qu'elle peut faire basculer une ville en tant que ville libre, et donc être récupérée, puisque l'un des bonus d'Aliénor, c'est que les villes qui deviennent libres sous son influence, elles n'ont pas cette espèce de temps d'attente d'une dizaine, d'une quinzaine de tours avant de tomber sous votre joug, elles rejoignent votre empire direct. Qui est quand même... assez intéressant, faut être honnête. Hein. Ok, et bah je vais les update aussi, eux. Et on va faire un camp ici, je pense. Ça me paraît pas mal. Alors, une ville qui fait de la prod, bah y'en a pas des masses. Hein. Y'en a pas des masses, y'a pas grand chose à gratter, mais ça me fait gagner déjà des tours, et c'est très bien. Faire de la culture. On va bourrer la culture comme Jaja. Mais du coup, pour faire une victoire culturelle, faut pas trop de villes. Je pense qu'on va rester sur ces petites villes-là et les développer à fond, quoi. Cité interdite dans 5 tours, c'est pareil, je vais respirer. Ça me fera une doctrine bonus, une doctrine joker en plus. C'est un croissant, assez moche d'ailleurs. Non. Ah, oh, ouh, salpêtre. Oh, bon, elle est pas chez moi, remarquez. J'en donne 4, du coup. Ouais, mais non, parce que j'en ai besoin pour mon entretien, non? Ah non. Bah non, j'ai pas encore... Ouais, mais je vais en avoir besoin quand j'aurai les... Les unités... non, si, si, faut que je le garde. Bon, non. Arrêtez de tous réclamer du salpêtre, là. Je vais sortir des inquisiteurs. La véritable utilité... On va commencer à se marrer un peu parce que là j'en ai plein le fion. Donc je vais commencer à sortir des inquisiteurs. Et là on va vraiment commencer à rire, vous allez voir. Ça va être marrant. T'es une honte? Mais pourquoi je l'ai... Ah non, c'est lui qui... Et lui, il peut refaire une charge, ouais, c'est bien. C'est quoi ça? J'ai tenu une promesse. Grief supplémentaire contre l'adversaire. Ah ouais, du coup, j'ai gagné des griefs à son égard. Très bien. Très bien. En même temps, c'est une connasse, donc... c'est mérité. Mérited. Ah, il me faut 10 de salpêtre. Bah, c'est une TM, hein, en vrai.
pas un autre endroit où il y a du salpêtre là? Faudrait que je commence à refaire une autre ville là. Peut-être m'occuper de ça aussi. Combien un colon là? 400. Allez. C'est moins cher que gratuit. J'arrive pas trop à savoir comment est foutue la map là. Je vous cache pas que... Je suis assez incertain. Plus qu'un tour pour le Colisée, mais c'est ridicule. En même temps, j'en avais que pour 6 tours, hein. Pas une dinguerie non plus, hein. C'est pas une dinguerie non plus. En même temps, c'est que le Colisée. C'est pas non plus... C'est une merveille antique, elle vaut rien. Toujours plus de merveilles. Les merveilles font de la culture. Tant que le Colisée... Toujours... Et puis des points d'air. Allez, on va obtenir des sources. Puis on détruira le barrage après. Grosse raclure. Ah ouais, contre les apôtres, ils font pas les kékos quand même. Hein. Par contre, je peux peut-être aller en cueillir un là. Moi, je vais peut-être les laisser en stand-by ici en attendant. Et je vais aller le foutre là, il traversera par là. Ok. Alors, il faut que je fasse des trucs avec de la pierre, là. C'est important. Putain, mais il avait 3 charges, le man. Salut, Fox. Arrête de trifouiller les poils du menton, ça me perturbe. Ah, désolé, on a tous nos petits tics. Hein. Comment ça va, Fox? Ah, désolé, ah, moi, c'est ma lubie. Mais eux. Ah, cette bonne guerre. Mais qui ce connard là? Ah oui. Putain, mais elle a été jusqu'à Bandar Brunei quand même pour propager sa merde. Hein. Alors qu'il n'y a pas de victoire religieuse, ça c'est... Alors en vrai, c'est vraiment débile, mais je vais le faire. Parce que 3 tours, c'est ridicule. 3 tours pour sortir le temple d'Artémis, qui est une merveille, faut être honnête, plutôt correcte. C'est vraiment débile. Donc je vais le faire. Je vais la mettre ici, comme ça j'aurai T, fer, pierre, pierre, tabac. Et ensuite je referai une deuxième ici, comme ça je pourrais choper le salpêtre. Ça va commencer à me dire où je dois tendre la pelouse et faire un barbecue. Ah, le barbecue c'est cool, la pelouse c'est un peu plus relou, mais le barbecue... Ah mais j'en ai là du fer aussi. Le barbecue c'est quand même de la cool hein. Ça, quel plaisir le barbecue. On s'est fait un petit barbecue avec Zouz hier soir là. C'est bien cool, hein. Le barbecue, c'est la récompense. Moi, je propose de ne pas tondre. C'est vrai, pour la biodiversité, ne tondez pas. Pour toutes les petites bêtes qui vivent là-dedans. Ça, ça va commencer à être très intéressant. Ah, alors attendez, parce que du coup, j'ai plus ce truc-là. C'est quoi, Grand Opéra ? Culture bonus pour les bâtiments de places de théâtre, plus 50% c'est la vie. Ah ouais, non, mais ça c'est... Je ne me lancerai pas dessus, sinon je vais être chiante et c'est pas l'endroit. Non, non, mais tu peux, hein, Aslève, hein. Vous savez qu'on est aussi ici pour le débat et vous avez le droit de... Ah, pour toutes les merveilles, c'est génial ça. Moi qui veux faire des villes à merveilles. Ah, quoique le rage, oh là là, le rage. Le rage, c'est vraiment une saloperie, hein. C'est vraiment une saloperie, mais c'est pas mieux que la politique de la canonnière. Poulet en brochette que je vais faire mariner, citron, moutarde et diverses herbes. Oh, stylé. Tu as très bien résumé l'idée principale, c'est bien pour la biodiversité, ça sert à rien. Exactement. Après, je comprends les gens qui ont envie d'avoir une pelouse parfaitement... Bien mon arc vers 19h. C'est bien pour... Il y a des gens, je comprends les gens qui ont envie d'avoir une belle pelouse bien parfaite, mais en réalité, moi je trouve ça un peu... J'aime bien la nature sauvage, quoi, donc... Si ça peut réduire un peu le... Comment on appelle ça? Le fractionnement environnemental? Je sais plus comment ça s'appelle. Tout est nuançable. Espace pour les enfants, etc. Mais je parle des extrêmes. Bien sûr, non mais... Je connais des gens qui tondent leur pelouse une fois par semaine et c'est débile. C'est vraiment con, quoi. Fais des fauchages tardifs, quoi. Au pire, tu l'attends une ou deux fois par été, quand max... C'est beau les pissenlits, c'est vrai. C'est bien de les souffler dans les yeux des gens en plus. Toujours un grand plaisir.
À l'orage, il va falloir que je commence à le sortir. Oh, le commerce triangulaire, c'est vrai que c'est une saloperie, ça. Et là, je partirais sur encore plus d'or, quoi. Ce qui est vraiment ridicule. Moi, c'est 2-3 fois par été. Bon, ça va, 2-3 fois par été, c'est pas encore too much. Commerce triangulaire, si je veux faire de l'or à fond, c'est très bien. En réalité, mes points de savant illustrent... Ah non, putain, merde. Idéalement, il faudrait faucher une ou deux fois à partir de mi-juin. D'accord. Mais faut que je fasse de la culture, là. Remarquez, j'ai déjà esthétique, donc j'ai déjà ce bonus-là. J'ai toujours pas de plateforme industrielle, d'ailleurs. Il va falloir que je m'en occupe. Oh là là, les 30 d'or en plus par tour, ça devient ridicule, là. Et allez, paf. Ça, c'est gratos, ça fait zizir. Elle va faire un peu la gueule, dis donc, mais c'est pas grave. Plus ou moins tu tombes, plus tu accueilleras de fleurs différentes. Et donc, pas que des pissenlits. Ça veut dire encore plus de trucs à souffler dans les gens, c'est trop bien. Il faut faucher haut et laisser l'herbe sur le sol. D'accord. Non mais alors par contre là, on va s'arrêter tout de suite. Hein. Ça va finir que je vais lui déclarer une guerre juste pour pouvoir virer ses merdes, quoi. Ah, putain, elle a déjà des... Elle a du monde, hein, quand même. Elle est pas évidente à gérer, elle, parce qu'elle... Elle force, quoi. Oui, mon village nous file une fois par an des graines de diverses fleurs de prairie. Ah, c'est cool, ça. Ils sont les soufflés dans la tête du voisin, quel souvenir, exactement. Ça, c'est super cool, en vrai. Je trouve que c'est une très très bonne initiative locale. Moi, je laisse toujours la tonte sur le sol, c'est bien. Pour faire tille d'hygiène, quoi. Allez, ça... Ça dégage. Il est où mon deuxième inquisiteur, là? Parce qu'elle force trop, hein. Elle force beaucoup trop. Il est où de... Bah, j'en avais pas un deuxième. Il s'est fait buter? Oh non. Ah non, je l'ai envoyé dans la pampa, cet abruti. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. On va purger un peu, hein. Cacher ces hérétiques que je ne saurais voir. C'est pour les abeilles, c'est trop bien. En vrai, c'est très très bien, je trouve, comme idée. Hop. Bon, place du théâtre qui va sortir là. Ouais, d'accord, je sais pas de quoi tu me parles, mais ok, frère. 2 tours avant la cité interdite, 10 tours avant le théâtre du Bolshoï. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc là, je l'ai obligé à revenir avec ces connards. Elle a quoi en puissance militaire? On peut même aller chercher une petite maison en bois avec des trucs pour les enseignements. Moi, trop bien. Quand j'ai vu la maison d'Artémis... Et ceci gratis. Bah, c'est payé avec tes impôts locaux, donc c'est très bien. Oh, elle est remontée, hein. Elle est remontée, faut que j'améliore mes unités. Je peux déjà les améliorer, là? Je peux déjà passer des trucs en... Ah bah oui. 10 de salpêtre. Je le fais qu'une fois, ça. Hein. Non, ça, c'est inadmissible, ça. Hein. Là, je veux pas en entendre parler, hein. Et les cirfs et les papillons et les libellules et les punaises et les bourdons. Ok, je vais te... Petit bourdal. Tous les pollinisateurs de ces morts. Ah, je vais avoir un âge d'or. Ah, c'est terrible, ça. Tu oublies les bitniks qui adorent fumer de l'herbe dans les jardins, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? À la construction, les zones industrielles déclenchent une bombe culturelle qui capture les cases adjacentes. Connard, je le déteste, il est parfait. Ah bah, je vais complètement lui piquer de la terre à elle, hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut piquer une merveille avec une bombe culturelle? Ça m'intéresse beaucoup, et en vrai, je pense que je vais tester. Mais je pense pas, parce que tu peux pas voler les quartiers, je crois, avec les bombes culturelles. Mais si je peux lui piquer la case d'ambre en mettant une zone industrielle ici... Ça, quel plaisir! Ça change de mon village, où ils installent leurs vieux appareils électriques dans les terres pleins. Oh! Et qui se vante en marquant village connecté. Oh, l'enfer sur terre, quoi. Surtout que ça tombe bien. Ah, mais j'ai peut-être pas encore la possibilité de faire un nouveau quartier. Si, oh, il y a folle. 3 tours, en plus, c'est gratuit. Hein. Moins cher que gratos. Hein. Je vais juste la faire un peu chier, là. Juste pour la pranker. Par contre, le truc, c'est que la dernière fois que j'ai fait ça, il m'a déclaré une guerre. J'avais fait ça avec le Congolais. Et il m'avait fait un petit OK colonizer et il m'avait déclaré la guerre. Marqué, ça se tient, hein. J'ai tellement de pognon que c'est une honte. Je suis sûr qu'ils avaient tous les composants dedans. Il y avait aussi des écrans. Oh, terrible. Putain, mais vous pourriez au moins les donner, quoi. Oh, le palais de Potala. Plaisir, hein, mais faut aller le choper. Hein.
Je continue sur la culture, je pense. Hein. Ou alors je continue à faire du fric. Ouais, c'est bien. Un plus 4 de fric, là, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Pas les laisser pourrir dans la nature, bah oui, non mais... Ou alors au moins les recycler, ou les reconditionner, je sais pas, mais en faire un truc, quoi. Tu vois ce que représentent les déchets électroniques en termes de pollution chaque année, alors que presque 90% est récupérable et réutilisable, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment des trucs... C'est hyper rétrograde comme approche. Bien truc de boomer, en fait. Boomer con, hein, j'entends. Putain. Après, ils les ont laissés un an. Ouais, mais quand même, quoi. Et l'année suivante, ils ont mis des sauces à l'insecte. Ah, la mauvaise foi des mecs, quoi. Ah, mais la grosse mauvaise foi des gens, c'est... Et en hiver, ils les ont enlevés. Ah, oh, putain, les connards, quoi. Mais je me suis dit, ça sert à rien. Bah, un peu, ouais. Bon, l'avantage, c'est que moi, je suis sur une colline, donc il devrait pas me faire trop mal. Oh, putain, quand même, hein. Oh, fada, ouais. Fada que tu es. Oui, oui, bah, si vous voulez faire des capitales, viens, Wilfried. Des capitales des ambassades. Fais-toi-y. Cette merveille est une honte. C'est une honte à la nation, je vous le dis, hein. Je vous le dis, je vous le crie, cette merveille est juste absolument honteuse. Putain, c'est trop pas cher les inquisiteurs. Ça c'est chouette. Il faut qu'il soit sur un campus, bah évidemment. Petite Eureka, les hôtels à insectes servent aux insectes à passer l'hiver. Qui a dû avoir une apparition d'insectes dans leur stockage. Oh là là, putain, les cons, quoi. Ils sont pas toujours très fut-fut, hein. Ah, mais je vais pas... Oh, putain. Non, non, faut que je fasse un monument. Un monument. Je vais faire un monument. On verra pour la suite. Il est où ce con? Ah! Je vais juste le faire chier un peu, parce que là il pourra pas aller me chercher, moi ça me prendra autant de temps. Alors, ma doctrine bonus, qu'est-ce que je bourre là-dedans? Est-ce que je mettrai pas le rage? Ou alors je mets un truc pour faire du encore plus de pognon. Et là, on atteint un niveau vraiment ridicule, quoi. C'est vrai que le rage, c'est vénère. Prendre le rage, je pense. J'ai que 3 cités-états, mais je vais prendre le rage. Ouais, c'est bien. Ça fait un petit complément de revenu sympa, quoi. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse, en somme. Elle est vraiment insupportable, hein, ça me... Ouais, ouais, bah, moi, ça me termine, hein. Arrête d'envoyer tes putains de missionnaires! Je vais l'exterminer à force, hein. Oh, la casse-couille, putain! Ouais, c'est bien. Bah, toi, tu vas nous faire une petite... Combien pour le barrage? Ouais, c'est pas terrible, hein. Ah, je vais essayer, c'est pas grave. Dans le doute, j'essaye, quoi. Petit phare, là. Toc. Ça, je veux plus en entendre parler. Hérétique au bûcher. Hop. Oh, plus 26 d'or, celle-là. Oh, bah, mazette. Ah, faut que je fasse des routes commerciales internationales, hein. Là, c'est ridicule de s'en priver, hein. Je peux pas aller là. Ah si, je peux switch. Ah non, mais c'est pas eux que je voulais. Pas grave. Retranchez-vous, c'est bien.
Ah mais toi tu peux pas bouger toi, donc attends. Tu vas passer ton tour, c'est bien, voilà. Pas m'emmerder non plus là. Ouh le Genghis Khan. Oh là là, tomber sur le même continent que Genghis Khan, c'est terrible hein. Faut avoir l'air insolide hein, parce qu'il pousse le man hein. Il force de ouf Genghis Khan. Oh là là, vite. Vite un bâtisseur. 51 tours le grenier, ça fait cher payer, hein, putain. Oh le Kotaku, vraiment je m'en fous quoi. À un niveau. Bon, ça c'est tombé, du coup ma religion va baisser. Ah oh, c'est chiant putain. Dans tous les travaux d'histoire. Il force trop, hein. C'est assez lourdeau, mais bon. Combien de toits avant... Ah ouais, non, mais c'est un phare, ça, je m'en fous. Sinon, je refais une route à 22, hein. C'est débile, mais... 210 d'or par tour, c'est vraiment ridicule. Site antique. Ok, c'est bien. Mais ça a pas fait de bombe culturelle, c'est nul. On m'a menti. Faut le faire sur une montagne. Ah non, une colline adjacente à une montagne. Putain, c'est hyper limité en vrai. Hein. Ok. Ah bah putain, ça change, hein. Dès que t'exploites un peu les ressources... Alors, qui sera ma prochaine cible à faire chier? Ah bah Mogadiscio, y'a personne. Ah bah je vais aller choper Mogadiscio, hein. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Faire du fric. Il y a déjà 4 émissaires, remarquez, donc c'est-à-dire que quelqu'un se bataille pour... Ok, ça se passe pas mal. Ça se passe pas trop mal du tout. Mais c'est pareil, ça a l'air d'être un petit continent, ça. Hein. Est-ce qu'il y aurait un troisième continent avec personne dessus? C'est possible. Hein. On n'est pas à l'abri de ce genre de drame. Hein. Ah mais le temple d'Artémis, c'est vraiment ridicule, quoi. Ok. Je vais faire un peu de science parce que sinon je vais être vite dépassé. Et ici je vais continuer à... Il faudrait que je rachète un bâtisseur ici. Putain, elle sort des moines soldats là, moines guerriers. C'est chiant. Bon, il est en train de s'amuser au barrage, l'autre con là. Le drame va arriver très vite. Hein. Il y a que... Alors, faut savoir que dans ce jeu, quand le truc te dit 63% de succès, en réalité t'as plutôt 5% de succès. Possible. Il arrive très souvent que tu te fasses... voilà. Statistiquement, il arrive beaucoup plus souvent que ça échoue, que ça ne réussisse. Du coup, il y a quand même 95% de risque que là, ça ne marche pas et que je fiascote comme un con. Ah, putain, mais c'est pas si loin, hein. Oh, c'est pas si loin, en réalité, hein. Non, c'est pas si loin, hein.
Ok. Est-ce que je me lance dans le palais de Potala? Ah putain, c'est vénère, hein. C'est super vénère. Allez, putain, prends mon fric, connard. C'est vraiment beaucoup trop vénère. Mais c'est pareil, là, je peux la faire pousser comme je veux. 6 tours, non mais moi je veux du thé, moi je veux du pouvoir d'achat, moi. Voilà. And now... Putain, ça coûtait moins cher qu'avant. Pas compris. Avant, j'avais dû payer 400. Ah, il force trop, hein. Elle force vraiment trop tard. T'as marre. Pas tard. Pas comme Tahar Rahim. T'as marre. Ah merde, il s'est fait gauler, ce con. Bon, bah, à pied, il va se faire buter, hein. Ah, Micheline, t'es vraiment nul. T'es vraiment nul à chier, Micheline. Vous voyez, 63%, si je le retente, ça va encore pas marcher. Bah non, je suis désolé. Hein. T'as pas voulu arrêter de me convertir, donc je vais pas arrêter de t'espionner. Hein. Je sais pas si t'as cru que ça marchait comme ça, mais... En fait, si tu continues à me casser les couilles, bah moi je vais continuer à te casser les couilles. Hein. C'est pas une certitude, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Après, je fais ça, c'est pour toi, hein, tu sais. Petit thé, là. Ah, c'est dommage, parce qu'en fait, j'aurais pu choper la merveille naturelle. Pff, ok. Le grand phare, quoi. Bon, bah, ça, c'est pareil, c'est des merveilles... C'est des merveilles de tour 15, quoi. Tour 117, le grand phare, c'est un peu ridicule. Ah, c'est bien, comme ça, j'aurai les points de tout ça, là. C'est le nationalisme qui crée les... Facho ! C'est des putains de nazis ! Les fachos ! C'est des gros fachos ! C'est des putains de nazis ! Ah, mais ce coin-là est peut-être... Ouais, non, parce qu'elle va pousser la didon de ce côté-là. Elle est pas... Ne non plus, quoi. Je vais peut-être en réalité envoyer mon éclaireur de ce côté-là pour couvrir le reste du continent, parce qu'il a l'air beaucoup plus vaste que le nôtre. Oh, putain. Par quartier spécial... Oh, la violence du truc, quoi. Alors ça, c'est très très bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas de truc de culture en réalité. Ça, je m'en fous. Présentement, je m'en fous. Habituellement, il peut être intéressant quand je fais de l'ultramarin, mais là, c'est pas forcément le bail que je vais me faire. Je pense que je vais prendre ça pour faire encore plus de pognon. Je fais déjà 245 par tour, c'est ridicule. Ou alors, je prends plutôt la prod, du coup, pour compenser un petit peu, parce qu'en réalité, des routes commerciales internationales, quand elles font déjà 23 d'or par tour... C'est pas forcément ultra nécessaire de rajouter... bon, voilà. C'est déjà un scandale. J'ai encore 2 slots dispo, d'ailleurs. Je pense que je vais peut-être plutôt faire ça. Ah, super, des écrivains illustres, alors que j'ai toujours pas d'emplacement pour caser des... C'est super, hein. Continuez de m'enfiler, hein, je prends. Elle est où, elle, déjà? Ah, elle est là. Oh là là, 30 points, je suis envie de crever, putain. Quoique ça peut aller vite, hein, parce que là je peux gratter le tour du monde facile. Ça fait déjà 4 ou 5 points, je crois, ça. Non, en réalité ça va vite, hein. J'ai 2 merveilles qui vont tomber sous une TM, là. Oui, si tu veux... C'est que ça pour te faire plaisir. Non, alors par contre, ça, on va oublier tout de suite. Hein. Après, si elle fait une ville là, elle manque pas de toupée. Mais ça va tomber très vite. Je fais du pain et des jeux, elle dégage. Donc en fait, j'attends qu'elle fasse ça. Comme ça, elle va bien être triggered. Qu'elle vienne. 4 fois plus de culture qu'elle, elle va pas... Hein. Bon, la terre brûlée, c'est bien. Lui, putain, 4 de culture, ouais, il est vénère, lui. Hein.
Test Redemptor, faut le sortir après, parce qu'il coûte un peu cher quand même. Quoique j'ai des villes, j'ai vraiment des villes à merveille là. Hein. J'ai des villes qui produisent de ouf. Le Bolshoï, c'est bien, ça va tomber ça. Je prie juste pour que quelqu'un ne fasse pas avant moi. Oh vas-y, arrête de convertir mes villes, putain de mort. Ah puis il y a l'autre qui s'y met, tiens. Ah non, c'est parce que... Ok. Elle a vraiment fait une ville... Mais elle est... Elle est débile. En plus, c'est une ville de merde qui va produire que dalle. Parce qu'elle est en plein dans le désert, il n'y a rien autour. Ah, oh, tu forces trop. Tu forces beaucoup trop. Bah, je vais faire du pain et des jeux. Hein. Je vais mettre Amani ici. Déjà, on va faire ce switch stratégique évident. On va la réassigner à... C'est cette ville-là. Ok, et je vais la promouvoir. Et je vais la mettre... Je vais mettre ça, chargé de mission. Hein. Et toi, bah on va t'envoyer sur une ville qui est pas trop développée, histoire qu'elle pousse un peu. Hein. Alors ça, c'est bien. Et là, il va commencer à... elle va commencer à chialer, parce que sa ville va tomber littéralement dans... Si je fais du pain et des jeux ici, plus Samani, elle va chialer. Hein. La meuf va chialer. Quoique là, je pourrais commencer à me concentrer sur faire des merveilles comme un gros porcasse. Acheter un atelier, déjà, ça serait une bonne chose. Ah, c'est vrai que le Christ Rédempteur en 18 tours, il est tentant. Hein. Maintenant, je peux le faire ici aussi. Oh, y a trop de trucs à faire. L'ermitage, absolument. Il me faut les... Personne n'a encore fait la Casa de Contratación. Ça fait du point de marchand illustre. C'est plutôt cool, ça aussi. Hein. Faut pas le négliger. Maintenant, l'ermitage, si je veux faire une victoire culturelle, ça reste le meilleur bail avec le Christ Rédempteur. 18 tours. Pff. Bah ouais, go, hein, go, franchement, 18 tours. Avec, peut-être qu'avec une route commerciale, je peux encore réduire le délai. Je vais forcer, hein. Je vais forcer de ouf, hein. Et là, prenez l'air, prenez l'ermitage. 14 tours, c'est long, mais c'est pas si long, en réalité. Ah, mais alors on commence à arriver sur les emplacements un peu touchy, là. Là, on commence à défoncer des emplacements intéressants, et c'est dommage. Qui d'autre peut faire l'ermitage? Là, il y a le palais de Potala. Ici, c'est même pas la peine de l'envisager, c'est trop long. Broadway, on peut déjà sortir Broadway? Au secours! Bon, je vais faire l'ermitage ici, mais ce sera la dernière merveille que je sors dans cette ville, je pense. Après, ça va commencer à faire un peu trop mal. Genre, sur cette case-là, c'est pas... J'ai pas de barrage non plus ici, hein. Faudrait que je songe à sortir un barrage 6 tours. Ok, zoomer. Ok, colonizer. Oh! Petit village barbare. Bon, celui-là, je compte pas trop dessus parce que je pense qu'il va tomber chez Didon dans très peu de temps. Non, mais c'est la démocratie, moi, que je veux. J'ai débloqué quoi comme gouvernement? J'ai même pas vu. Certainement pas la démocratie, c'est sûr. Ok. Mais il a pas pu... Ah non, ok, il est bloqué, ce con. Putain, on est où là? Au score, on est à combien? Oh là là, je les défonce, hein, c'est ridicule. À ce niveau-là, c'est vraiment un gars. Hein. Ah, je suis bien redescendu. Hein. Elle est bien remontée. Maintenant, je fais tellement de pognon que je peux lever une armée en deux tours. Hein. Ça la fera moins rire à ce moment-là. Oh là là, oh la branlée! Je crois que je vais économiser 40k points. Ah ouais, j'ai bien fait de le mettre alors. Hein. J'en ai marre que tout le monde me demande. Hein. Bon. Je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de le monétiser, quoi. Fallait que je fasse de la prod, hein, c'est ça? Bah go, hein. Putain, elle rapporte de ouf cette ville là. Ah mais ça change rien. Je suis pas si loin, vol d'oiseau. Tout bien. Tout va bien. Ah non, elle remonte parce qu'elle a mis un gouverneur, mes couilles. J'aurais dû faire avant. Je sais que j'aurais dû lui demander ça aussi. Ah, je suis le premier à l'avoir fait. Trop bien. Ça fait plaisir. Ah oui, 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 ça c'est génial ça. Ça, c'est génialissime. Alors, attendez. Elle est où? Ça, du coup, ça veut dire que sa ville peut tomber.
Je vais claquer les 40k points et unfollow juste après pour le fun. Salaud ! Quelle indignité. Ah non, les unfollow, parlons-en. Hein. C'est vraiment débile. Je déconne jamais, je unfollow. Tu fais bien. C'est très bien, Fox. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve, quoi. Surtout qu'en plus, je sais très bien que beaucoup de gens le font parce qu'ils en ont marre de recevoir les notifs de live et qu'ils ont juste follow parce que quelqu'un met du lurk intensif sur Dark Souls. Parce que certains leur ont dit d'aller sur un SO ou autre, d'aller follow. Et derrière, ils unfollow. En même temps, je les comprends parce que c'est vrai que c'est chiant d'avoir toutes les notifs des gens quand t'as juste voulu soutenir quelqu'un. Mais d'un autre côté, c'est juste qu'ils savent pas qu'on peut retirer les notifs par streamer. Voilà, t'appuies sur la cloche. Et du coup, bon... C'est un peu vexant, quoi. Enfin, c'est un peu vexant. Disons que quand t'es petit streamer et que le nombre de follow compte quand même beaucoup pour te faire connaître, quand tu te prends un unfollow, ça fait chier. C'est pas toujours très agréable. Bon, tu t'en remets, mais c'est... Voilà, c'est jamais très plaisir, quoi. Moi, c'est le réflexe d'appuyer sur la cloche directe. C'est vrai que moi, je le fais pas tout de suite, mais je refais du batch derrière. Je désactive les notifs. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en fait, on follow tellement de monde qu'au bout d'un moment, on peut pas... On reste un peu monomaniaque quand même et on revient sur les mêmes contenus, mais... Bon, t'unfollow pas, quoi. T'enlèves la cloche, comme sur YouTube, et puis voilà. Carrément. Donc voilà, moi, tu vois, enfin... Après, tu vois, typically, des fois, c'est pas de mauvaise intention. Genre, j'essaye de passer chez toi. Alors, j'essaye de lurker quand je peux. T'es live le soir, bah moi le soir je suis rarement dispo. Bon bah je passe l'après-midi. J'ai une follow amourante. je passe des fois l'après-midi pour lurker quand tu fais des lives l'après-midi, mais je peux pas toujours parler. Mais pour autant, j'essaye de me pointer et de lurker. Tu peux pas demander à tout le monde d'être actif sur les chats, etc. On voit trop de contenu et c'est pas grave en soi. Mais juste, ne followez pas quoi. TKT. Pour moi c'est pareil. Bah oui, je me doute bien. En même temps, déjà, rien que nous, avec la table, enfin, avec les Discord qu'on peut avoir en commun, y a trop de monde, quoi. C'est juste ingérable. Au bout d'un moment, ça devient ingérable. Carrément, bah ouais. Mais bon, après, rien n'empêche de lurk. Moi, c'est ce que je fais en général. J'en prends deux en même temps. Je mets ça sur mon navigateur, je mets pas le son, mais je lurk, quoi, juste pour faire un peu de visibilité, quoi. On pourrait se dire que finalement, le lurk est pas si intéressant parce que ça fait juste un spectateur, mais d'un autre côté, faut bien voir que ça nous remonte dans les chaînes Twitch. Parce que quand vous cherchez un jeu, par exemple, et bah les chaînes Twitch sont généralement affichées par ordre décroissant de viewers. Donc ça veut dire que c'est les plus représentés qui sont encore surreprésentés. La guerre, c'est l'enfer. Donc oui, le lurk nous aide vraiment à nous faire voir, quoi. Et ça aide au référencement, voilà. Donc le lurk a énormément d'impact. Et puis j'en parle même pas pour ceux qui essayent de passer affilié. Parce qu'il faut déjà le sortir, le 3 viewers de moyenne. Hein. Franchement, quand t'as pas de commu et que tu te lances, au secours, quoi. Je vais vraiment être obligé de faire une... Oh putain, c'est ridicule, quoi. Toutes les cases de toundra de cette ville? Mais y en a pas! Bah, je vais faire Broadway, hein. En désespoir de cause, je vais sortir Broadway jusqu'à ce qu'elle pousse un peu. En espérant que ça passe. Je vais racheter un petit bâtisseur... Pour faire de la scierie. Ça, le lurk sur les non-affiliés, c'est encore plus important. Complètement. Bah d'ailleurs j'ai passé 3 jours à lurk chez Chou là parce qu'elle est pas encore affiliée donc Chou de la pépinière donc elle est pas encore affiliée donc j'ai lurk comme un gros bourrin. Mais c'est plaisant tu vois quand tu vois des gens qui sont pas encore affiliés et que tu les vois à 5 spectateurs en simultané. Bah tu te dis que SoonTM ils seront et qu'ils ont dépassé les 50 followers, tu te dis que SoonTM ils seront affiliés et c'est trop cool quoi. Hello, salut Galéo, comment ça va? Merci encore beaucoup pour ton follow. T'étais pas passé depuis. J'avais pas pu te remercier de vive voix, mais merci infiniment du coup. On voit l'adresse que je fasse la même. Alors attends, voir. Elle est passée tout à l'heure, mais. Je fais un SO.
Hop. TSO pour Chou. TSO pour Fox. Ah mais il a changé son blast, Fox. C'est un pranker, hein. Il est facétieux. Trop content de voir un live sur Civ. Ah bah écoute, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, à part les... Tiens, TSO pour Galéo aussi. Voilà, merci du monde. Voilà, t'as pas... Paf, le gros batch. Bah écoute, ouais, du sac du live sur Civ, il n'y en a pas tant que ça. Mis à part les grosses pointures du genre qui poncent le truc depuis des années, genre Lège. Ah oui, Mogadishu, je prends. Oh là. Oh putain, j'ai vraiment cru que je l'avais planté, je me suis un peu chié dans le ben. Je vous cache pas que là... Par contre, c'est vrai que la cathédrale Sainte-Basile, elle peut être très cool sur une ville ici. Hein. Mais en réalité, elle a quand même suffisamment de ressources pour pousser, je pense. Donc, il y a de la plaine inondable, il y a plein de plaines. Ouais, c'est de la Zrodi, mes couilles, ouais. C'est bien. Ok, gros. C'est d'accord. Je vais sortir de là parce qu'en fait, j'arrête pas de faire des allers-retours ici, mais ça sert à R. Puis j'allais fumer ma petite clope. Bah, bien sûr, tu fais ce que tu veux, Fox. Et pourquoi je ne suis pas un beatnik? Ah bah, moi, je sais pas ce que tu mets dans tes rouliches, gros, hein, mais... non, mais vas-y, Fox, y'a pas de problème, hein. T'es un adulte libre, tu fais ce que tu veux. Et bonne clope, du coup. Et à toutes. Tabac et poil de chat. Ah, le meilleur duo. Hein. Seuls les véritables savent, quoi. J'en ai passé des heures depuis Civ 2 sur cette série. Ah, moi aussi. Moi, j'ai commencé un peu plus tard Mon frère, il avait Call to Power. J'ai beaucoup joué à Call to Power, même si je sais que c'est pas un officiel vraiment et que c'est un peu une... truc décliné. Ça crépite quand je... mais j'ai passé beaucoup de temps sur Call to Power. Et après, j'ai énormément farmé le 3. J'ai beaucoup joué au 3, j'ai un peu moins joué au 4. Par contre, le 5, je l'ai poncé. Et le 6, là, c'est vrai que j'ai pas encore fait suffisamment mes armes sur le 6. Je dois être à une 150aine d'heures, ce qui est pas beaucoup. Pour un jeu comme celui-là, où tu fais des parties assez rapides... assez rapidement très longues, sans mauvais jeu de mots. Mais non, c'est vrai que c'est quand même une série assez incroyable. On peut lui faire plein de reproches, hein, plein d'égards. Mais ça reste une série... Le 5, pareil. Ah, le 5, il est... Le 5, à mes yeux, ça reste l'un des meilleurs. C'est vrai que le 6, là, avec ce que j'expliquais tout à l'heure, le 6 avec les... Avec les DLC, je parle pas des DLC de Civ qui t'ajoutent des Civs parce que ça, c'est vraiment de la merde, mais avec les deux DLC majeurs, il commence à être vraiment abouti. Mais, encore une fois, c'est dommage de devoir payer deux DLC pour avoir un jeu complet, quoi. Désolé du retard, salut Nacham, pas de soucis. Hello, je ne peux plus être conquérante tyrannique. Salut à Dalian, ça roule. Comment qu'ils vont ? C'est vrai que là, voilà, il commence à être assez abouti, ce qui est plutôt cool. Maintenant, en fait, j'aime beaucoup les mécaniques qui ont été ajoutées dans le 6. J'ai eu beaucoup de mal avec le 6 Vanilla, je l'ai lâché très vite pour revenir sur le 5. Mais c'est vrai que le 6 maintenant, avec toutes les mécaniques, et je trouve deux mécaniques principalement, la frise historique et la gestion climatique, je trouve que très sincèrement, ce sont d'excellentes idées qui ont vraiment redynamisé le genre. Le fait qu'Adaliant et moi-même arrivons au même moment. Oui, quoi donc? C'est toujours le même problème, le jeu est top. Ah oui, j'en suis très fier. Eh oui, j'en suis très fier. Pour la sbiraderie, make Michel great again. Merci infiniment Adaliant pour ton resub pour les 3 mois de resub. Incroyable. Merci infiniment, gros. C'est toujours le même problème, le jeu est au top 6 mois avant la sortie du prochain. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et là, tu vois, typiquement, j'ai beaucoup d'attentes sur le prochain 4X de Amplitude qui s'appelle Humankind, qui est un peu un Civ-like. J'ai énormément d'attentes dessus. Peut-être qu'il va donner une vision un peu différente de ce que Firaxis fait des Civ. Ça m'intéresse. Ah, oh, ouais, bon, c'est pas... C'est dommage, mais c'est pas critique. Mais qui est-ce qui l'a fait, d'ailleurs? N'est qu'une coïncidence fortuite et ne doit absolument pas être vue d'une autre manière. Ah bah, moi, j'ai rien dit, hein. Ah, c'est Shaka Zulu. Oh, le salaud. Je connais pas du tout, j'irai voir. Bah c'est Amplitude, c'est un studio qui a fait notamment les Endless Space et les Endless Legend. Enfin le Endless Legend parce qu'il y en a qu'un. Et qui se sont lancés là sur Humankind qui est un... Les mots
qui est un 4X, un Steve-like en fait, hein, qui apparemment se veut très ambitieux et a l'air très très cool. Et en fait, j'aime beaucoup la démarche de studio parce qu'ils font de la création collaborative, avec, enfin participative. Et tu peux participer en amont à la création du jeu en proposant des idées. Et en fait, si les idées sont votées, ils intègrent les mécaniques dans le jeu et ils font ça depuis leur premier jeu, Endless Space. Et je trouve que c'est très intéressant parce que tu peux un peu modeler le jeu en fonction de l'attente du public aussi. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que les gens sont beaucoup plus investis vu qu'ils ont participé à sa création, etc. Seul l'univers connaît les vraies causes, les vrais sages. C'est ultra cool ça, ouais, c'est vraiment très très cool. Et là tu vois, typiquement, il était censé sortir en avril. Et ils l'ont repoussé de quelques mois pour le mettre en août. Parce que justement, ils ont fait une bêta fermée et il s'avère que les joueurs ont fait plein de remontées. Et donc ils ont dit, bah on va le sortir plutôt en août, mais voilà ce qu'on va améliorer. Et donc ils ont fait une liste hyper exhaustive de plein de trucs qu'ils vont améliorer et retoucher. Et je trouve ça super audacieux de la part d'un studio de pas vouloir sortir, surtout dans la période actuelle, de pas vouloir sortir un jeu qui est pas fini. Parce que c'est ce qu'ils font tous habituellement. Et du coup, je trouve que c'est très bien comme démarche et que c'est très fair et c'est très transparent envers le joueur. Donc je trouve que c'est très bien. Ils prennent pas leur public pour des cons et c'est vraiment chouette. Alors on va continuer. Oh la dingue! Tu sais qu'à chaque fois que tu parles de Humankind, je croyais que tu parlais de Deus Ex Human. Non, non, pas du tout. C'est le meilleur moyen de se faire une super pub en plus en ce moment. Bah oui, clairement. Ah non, non, mais moi, pour moi, c'est... Et en plus, c'est un studio français, Cocorico. Non, non, pour moi, ils ont tout compris. Ils ont tout compris sur la démarche de créer un jeu. Putain, mais j'ai du charbon à l'infini, en fait. Oh la dingue! Il y en a déjà un où j'ai une mine en plus, parfait. Ah, ils vont 100%, ils vont me faire des offres dans tous les sens pour absolument avoir du charbal. Tous ces connards. Faut pas faire une merveille ici, récupérer la prod plutôt? Non mais Saint-Basile, elle sert à que dalle. Ce serait une honte de faire ça. Ah non, ça y est, elle va revenir avec ses missionnaires à la con. Avec ses apôtres. Oh là là, il y en a tellement. Ah ça y est, elle repère de la loyauté, pas beaucoup, cela dit. Faudrait que je la convertisse à ma religion, mais là, ça va être compliqué parce qu'elle force, hein. Elle force de ouf. Je vais ressortir des inquisiteurs. J'en ai déjà un. Ou j'ai pas assez de fois? Ah non, c'est parce que j'ai déjà un emplacement. C'est parce qu'il a bloqué mon russe, hein. Quel connard, je le déteste. J'en avais plus d'apôtres. Ah mais si, j'en ai là. Oh là là, mais... Cramez-moi les hérétiques, là. Brûlez-moi tout ça, hein. Même plus en entendre parler de ces connards. Elle en a vraiment foutu partout, je la déteste, hein. Je pense que je vais finir par faire un lieu saint à Gao parce que... Ça va être infâme. Après la cyberpunk hit. Troisième pire maladie après le Covid et les gens qui finissent leurs phrases avec des « Oh !» C'est chaque coup de ton oh. Je vais faire une pause, je pense. Là, fait 1h30 de live, je pense que je vais faire ma petite pause pour aller au cabinet. Le cabinet, oh. Pendant que Netchum fait un point d'exclamation MDF. Julia Bijaoui. Ah oui, 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 non mais bien sûr. Incroyable, incroyable. On t'aime Julien, c'est faux. C'est faux mais on fait genre. Trois emplacements de reliques quand même, hein. Putain, faut le chier, hein. Mais non, je ne me laisserai pas... Je ne me laisserai pas influencer. Ah bah je suis retourné bosser du coup, ça marche notre chat. Des bisous, merci beaucoup d'être venu. Ah putain mais je vais le faire hein. Oh la saloperie, je vais le faire hein. Je vais repasser en âge normal hein, je vais y arriver. Je vais pas me retrouver complètement largué hein, parce que c'est terrible ça. Hein. Ah elle me casse les couilles par contre, hein. Ça c'est vraiment... Je me suis fait défoncer là. Bon, en même temps, j'ai 2700 en réserve donc. On peut pas vraiment dire que je suis largué de ce côté-là. Si jamais Adalion part en même temps que moi, ce sera encore une fois que c'est une coïncidence fortuite. Non, mais elle m'emmerde. Hein. Elle m'emmerde très sérieusement.
Elle m'emmerde très très sérieusement là, à venir me faire chier dans mes villes. Il y a l'air d'avoir de la place ici, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Attendez, parce qu'elle avait fait une ville là, mais est-ce que le village... Ah ouais, bah le village, il a été dosé, hein. Alors je pourrais faire une ville ici, hein, comme le dernier, les connards. En réalité, elle serait pas si mal placée, mais le problème, c'est qu'elle est entourée et qu'à mon avis, elle va perdre assez facilement de la loyauté. Et que de toute façon, pour la victoire culturelle, c'est pas un bon plan, hein, je le répète, mais faut pas faire trop de villes pour la victoire culturelle. Surtout que j'ai des villes qui sont vénères et qui produisent bien, donc ce serait un peu de la confiture au cochon au final. Je pense que je vais rester sur cette config complètement éclatée au sol. Et que je vais juste avoir ces villes-là, ce sera très bien. Oh, si tu veux, Pedro, si tu veux... Si tu veux, mon Pierrot. Ouais, je l'ai... En fait, je mets... Non, mais pourquoi dis donc, j'ai même pas où elle est, je la connais pas. Enfin, si, je sais où elle est, mais... Ah, vous m'emmerdez. Quelle indignité. Quelle indignité. J'en ai des nouveaux, faudrait que je m'en serve, hein. Non, mais franchement, Chaka Zulu... Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Incroyable. Je sais même pas de quoi il parle. C'est ça le plus drôle. Je sais même pas si quelqu'un sait de quoi il parle. Énorme. Ce que vous avez fait grave, non professionnel, énorme. Et tu sens qu'il est vexé quand même. Tu sens qu'il y a une frustration évidente du mec. Le mesquin me tue. Et mesquin. Ouais, c'est vrai, on dirait un peu un gamin en fait. C'est mesquin. On aurait dû lui faire un chapitre. Un chapitre, hein. Je suis pas sûr qu'il aurait apprécié le mec, hein, mais bon. Mais elle me casse les couilles, c'est hallucinant. Hein. Elle me saoule, mais à un point. C'est juste pas possible d'être casse-couille comme ça, quoi. Encore une fois, je... Tu as l'article sur ton Discord, du coup. D'accord, ok, j'ai regardé ça, merci, Nathan. Ah, d'ailleurs, si vous voulez rejoindre un serveur Discord incroyable, hein, où il ne se passe rien, n'hésitez surtout pas. Le lien est dans la bio. Je pense que là, je vais commencer à rusher suffrage. Ouais, je vais faire ça. Plus rapide que la lumière, le boson de l'actualité qu'on l'appelle. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, banque... Non, je vais sortir un musée d'archéologie. Je vais commencer à faire le master prank. Le moulin à eau, évidemment. Je vais racheter un sbire ici. Et un négociant, en réalité, parce que j'ai des slots. J'avais pas commencé à en piquer une. Ah bah si, mais je l'ai déjà faite. Ah si, non, voilà, c'est bien ce que je me disais. Oh, elle en a 7, là, dis donc. Ah, mais ça tombe bien, j'en ai 3, parfait. Le pire, vraiment le pire casse-couille. Oh oui, n'importe quoi. Ah bah parfait. Ouais, il pourra pas passer, par contre. Ah bah si, parce que je suis suzerain, donc... Si, ça peut le faire, en réalité. Pouet, 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 pouet. Ok, bon, ça se passe pas trop mal. Putain, elle force trop, mais elle force beaucoup trop. 72 tours, ça descend, hein. Ça descend bien vite. Je pense qu'il y a personne au nord de ce continent. Ah bah si, il y a l'autre con, là. C'est qui, Karakorum, là? Ah bah c'est le Genghis Khan. Ah, je suis obligé de faire ça. Oh, chiant à mort, mais je vais aller le chercher, c'est pas grave, hein. Promotion d'une unité, c'est qui? Ah, c'est l'apôtre. Ah, je peux encore prêcher une croyance, j'ai encore un slot dispo. Faut que je fasse ma pause parce que là je vais me pisser dessus. Hein. Je vous le dis. Ah, il n'y a pas martyr, c'est dommage. Ça c'est bien ça, dis donc. Oh, je vais lui casser tellement les couilles. Oh oui, je vais tellement la faire chier avec ça. Disons que celle-là, elle est défendue bec et ongle. Hein. C'est si long, et lui il prend combien de... Un tour, parfait.
Supprimer les hérétiques. Oh non, mais il faut que la French Tech reprenne du poil de la bête ici, hein. C'est inadmissible. Moi j'en ai plein le cul d'elle. Hein. J'en ai vraiment plein le cul de cette meuf. Beaucoup trop dans son comportement, bah ouais, mais moi ça m'agace. J'avais fait quoi à Sterling pour gagner 17 pièces. Ah oui, bah oui, on va faire. Oui, bah oui, écoutez. Musée d'art, évidemment. Ouais, capital, ouais, pour gagner des points et qu'elle grossisse plus vite. Victoire culturelle, je suis en tête, faut que je continue de forcer, mais déjà 213 par tour, c'est ridicule. Mais victoire scientifique, je suis complètement... Ah, je suis pas si aux fraises que ça, hein. En réalité, 38 tech découvertes, je suis pas tellement en retard par rapport aux autres. Oh putain, elle force beaucoup trop. En fait, j'ai presque envie de lui déclarer une guerre juste pour la pourrir, quoi. Juste pour pouvoir niquer ses mecs. Ah, d'accord, il est passé là. Oh là là là, le mongol, il est vénère. Alors, je le ferai bien, mais en réalité, ça va me saouler parce que... Ah, elle est chiante, c'est hallucinant comme elle est chiante. Non mais je vais le laisser se démerder. Quand c'est chez moi, ça me dérange pas, mais... Là, j'ai vraiment pas le courage. J'ai vraiment pas la foi, sans mauvais jeu de mots. Je termine mon tour et je fais une pause, les jeunes, parce que là... Là, je vais vraiment me pisser dessus au bout d'un moment, quoi. Ouais, ouais, on va forcer de ouf, hein. Tiens, toi, tu vas aller ici, là. Tu vas aller ici et mon pote, tu vas la bourriner la ville, hein, je te le dis. Puis je pense qu'on va commencer à sortir des apôtres. Hein. Parce que là, elle force, quoi. Montre-lui qui est le boss. Ouais, 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 non mais je vais lui montrer. Je vais lui montrer c'est qui le religieux de l'histoire. Connasse, va. La gratuité absolue du truc, quoi. Non, mais bon, faut pas déconner, quoi. On n'est pas des animaux non plus, quoi. Merde, hein. Au bout d'un moment, pas là pour vendanger, quoi. C'est Gilgamesh, ça m'étonne pas. Hein. Non, mais parce qu'à un moment, bon, moi, je suis là pour Jesus Christ, quoi. Jesus Christ! Jesus! Sou! Jesus Christ, Lord! Il est vraiment insupportable. Ouais, non, mais je m'en branle. Ouais, ouais, je mets... Ouais, ouais, c'est bien. Chaque membre gagne une relique, la religion de la cible... Oh ouais, non, 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 non. Moi, je peux pas me permettre de participer à cette connerie-là, hein. Elle me fait beaucoup trop chier pour que je puisse faire ça. Oh, putain. Bah, ça va, je suis pas dedans, normalement. Ah non, je suis pas dedans, c'est bon. Je suis pas dedans parce que j'ai pas mis de points dedans. Ouais, c'est bien. Du coup, ils vont un peu la calmer, je pense. Une très bonne chose. Ils vont lui retirer un peu la face, tout doucement, hein. Je t'avais dit que je terminais mon tour et que je faisais une pause. Insupportable. Je vais sauvegarder ma game aussi parce que là, ça fait 40 tours que j'ai pas safe, c'est un vrai problème. Ok, je vous mets de la musique, les enfants. Et je reviens dans 5 minutes. Des bisous. Attendez, je rebaisse juste un peu mon retour parce que c'est fort en réalité. C'est fort pour le son de Spotify actuellement. Hop. Bonne pause, merci beaucoup. Des bisous, à tout de suite. Je reviens dans 5 minutes.